Salut à tous, c'est Fiona de fionacuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et ah, ton téléphone sonne. Allô, Fiona? C'est moi, Tom Nook. Je ne te dérange pas? J'espère. J'aimerais te présenter quelqu'un. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu voudrais bien te rendre à l'aéroport pour la rencontrer? Donc voilà, en fait, j'enregistre la vidéo en même temps. J'enregistre la vidéo en même temps à la suite de l'autre. J'ai juste entre-temps téléchargé le DLC. Donc, ah, Fiona, te voilà. Lou, permets-moi de te présenter Fiona. Oh, bonjour, je suis Lou. J'ai travaillé avec Monsieur Nook il y a longtemps. Mais c'était avant qu'il ne débute son programme insulaire. Oui, elle a beaucoup de talent. Lou s'occupe aussi bien de l'aménagement intérieur que des plans de construction. Et maintenant, elle dirige sa propre société de villas de vacances. Oui, enfin, j'ai été formée par le meilleur dans le domaine. Et cette formation a porté ses fruits. Donc ça, c'est dédicace à Lionel. Nous venons d'ouvrir notre nouvelle agence. Nous sommes fin prêts à proposer des villas de vacances. Notre équipe a besoin d'un dernier membre qui soit capable de faire des rêves de nos clients une réalité. J'ai demandé à Monsieur Nook s'il avait en tête quelqu'un qui correspondait à ce profil. Et te voilà. Autrement dit, elle a besoin de ton aide, Fiona. Lorsqu'elle m'a exposé son projet, j'ai tout de suite pensé à toi. Après tout, tu as fait du beau travail chez toi, pourquoi ne pas en faire autant chez les autres? La décision vous revient à Lou et toi. Mais mon instinct me trompe rarement, oui. Bah écoute, si j'ai acheté le DLC, c'est certainement que je suis partante. Ok, nos bureaux ne sont pas si loin, tu pourras facilement faire la navette. Alors, qu'en dis-tu de mon offre, Fiona? J'accepte. Fantastique, quelle bonne nouvelle. Je vais de ce pas tout préparer pour ton arrivée dans l'équipe. On se retrouve là-bas? Oh oui, elle a mis la doudoune du coup, vu qu'il fait froid ici. Enfin, vu qu'on est en novembre. Elle est trop mignonne avec sa petite doudoune. Je crois bien que tu as illuminé sa journée. Un avion est prêt à décoller à tout moment pour t'emmener chez lui. Rends-toi à l'aéroport et dis que tu souhaites aller travailler. Bien, je te laisse. Prends soin de toi, Fiona. Super, et bien écoutez, on va faire ça tout de suite. Donc du coup, j'ai toujours la même tenue, hein, puisque j'enregistre les deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Donc, allez au travail. Ah, tu te rends au travail. Tu peux embarquer immédiatement, mais tu es OK niveau préparatif? Et tu prêtes à mettre les voiles? En route. OK, je me charge de tout. Et voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent vol. Balisette, Fiona, c'est la première fois que tu survoles le coin? Il y a plein de jolies petites îles un peu partout. Vraiment coquette. Un régal pour les yeux. Pour le bidon aussi, les fruits exotiques valent le détour. C'est le genre de coin qui donnerait presque envie de se poser un peu. Presque. Oh, mais je crois que tu es là pour des raisons professionnelles, navré Fiona. Bon, du fait, tu devrais jeter un œil à l'écran devant toi et profiter du voyage tant que tu le peux. Alors, on est en train d'arriver. Alors, ici votre capitaine, nous approchons de notre destination. Redressez les sièges, attachez votre ceinture jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. C'est ce que j'ai fait il y a moins de 24 heures.
Ah, c'est Gratien. Salut et bienvenue. Tu dois être la nouvelle dont Lou nous a parlé. Oui, enchantée. C'est bien chouette que le vent t'ait porté jusqu'ici. Je suis Gratien, je travaille avec Lou. Tout le monde a tellement hâte de te voir. Notre bureau n'est pas loin du pontant. Allons-y. Alors là, il y a un petit bateau. C'est pourquoi le petit bateau? Ce sera peut-être pour aller dans les autres petites îles. Donc là, on a les petits oiseaux de Twitter. Voici notre bureau. Entre. Ah, bienvenue. Je t'attendais justement, Fiona. Un grand merci à toi, Gratien, pour lui avoir servi de guide. Je crois que Gratien s'est déjà présenté, mais je voulais tout de même te présenter à tout le monde en bonne et due forme. Attention tout le monde, je vous présente Fiona. C'est elle qui sera responsable de l'aménagement personnalisé de nos maisons de vacances. Heureuse de compter parmi nous. Gratien, je compte sur toi pour apporter à Fiona tout le soutien dont elle aura besoin. Ça sera chouette. Bienvenue dans l'équipe. N'oublie pas que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Sans me vanter, je connais les îles du coin comme ma poche. C'est vrai, Gratien est notre expert en géographie locale. Il peut te conduire à n'importe quelle île aux alentours. Oh, c'est trop gentil. J'étudie aussi la construction et la vente immobilière. Demande-moi ce que tu veux. Ensuite, il y a Mantin. Il est responsable de la gestion du stock de matériel de décoration et autres. Nous vendons aussi des objets et des souvenirs dans notre boutique. Il se charge également de ça. Les employés ont aussi le droit d'acheter nos produits. Alors, je t'invite à y jeter un œil plus tard. Bonjour. Bien, notre équipe est au complet. Je sais déjà qu'à nous quatre, nous ferons des miracles. Vous verrez. Oui, ça va déménager. Ici, quand on travaille, l'uniforme est de rigueur. Le tien se trouve dans le casier à côté du miroir à l'étage. N'hésite pas à utiliser tout ce que tu veux dans la salle de pause, ok? Y compris le miroir et la commode. Sur ce, reviens me voir quand tu auras fini de te changer. Alors, déjà, on va regarder un peu ce qu'il y a là. Il y a des doubles transats, ici, il y a des petits chocolats, une télé rétro, une lampe, un fauteuil que je trouve pas très joli, mais là, il y a un ficus variegata. Alors, du coup, le mien, c'est celui-là. Alors, voilà ton casier, tu y trouveras sûrement ton uniforme. Tu peux utiliser ce casier pour modifier tes uniformes de travail. Donc là, c'est tout ce que j'ai le droit pour le travail? Pas non plus énormément de choses. Oh, je peux choisir de mettre une robe. Oh, si je peux mettre une robe, ça m'arrange. On va mettre celle-là, c'est mieux par rapport à la couleur de la robe. À mon avis, après, on va pouvoir acheter des robes différentes couleurs, je pense. Enfin, ils ont tous la même couleur, mais peut-être que le personnage que l'on a pourra prendre des couleurs différentes. On n'a pas celle-là de sandales fleuries. Nous, elles ont uniquement. Elles sont toutes de la même couleur, les sandales. On va prendre celle-là. Oh, comme il est mignon, ce petit sac! Ok, donc on va rester sur ça, le mini sac en simili cuir, ça ira très bien. Donc là c'est bon, on est prête pour aller travailler. Est-ce que ici il y a des petites choses à consulter? Semble contenir beaucoup de choses. Ok, on ne peut pas l'utiliser, c'est dommage. Alors on va redescendre. Alors Mantin, il parle pas beaucoup, il a l'air d'être timide lui, alors que lui il a l'air d'être un peu jovial. Oh, ça te va à merveille, c'est pile la bonne taille, super. Bien, maintenant que tu es en tenue, je vais te dire officiellement bienvenue à la Villa de Lou. Oh, j'ai oublié de te parler de notre nom. Notre entreprise s'appelle les Villas de Lou. Pas mal, hein? Je trouve que ça a du chien. Enfin, de la loutre. Notre objectif est d'offrir à nos clients les maisons de vacances de leurs rêves. Il faut donc qu'on les connaisse personnellement pour leur fournir ce service sur mesure.
Quelque chose me dit que c'est le travail idéal pour toi, Fiona. Bon, le plus simple est d'apprendre sur le tas. Alors j'aimerais autant que tu commences tout de suite. Je serai là pour t'aider, mais par là, j'entends ici. Je dois assurer la permanence au bureau. Mais ne t'inquiète pas, Gratien t'accompagnera à chaque fois que tu devras traiter un nouveau client, avec un nouveau client. Compte sur moi, Lou. Je te suivrai comme ton ombre. Alors, pas la peine de t'en faire. Tu peux même m'appeler patron. Enfin, si tu veux, patronne. Parfait. La seule chose qui nous manque à présent, ce sont les clients. Eh ben dis donc, comme de par hasard. Bienvenue, quelle adorable petite agence. Je me suis laissé dire que vous proposez des maisons de vacances sur mesure. Est-ce le cas? Absolument. Nous serons ravis de t'aider si tu veux bien te donner la peine. C'est par ici que ça se passe. D'ailleurs, tu tombes bien, nous prenons aujourd'hui les premières commandes pour nos villas. Quelle merveilleuse coïncidence. Je viens souvent sur cette île. Je trouve une sérénité que je n'ai jamais nulle part ailleurs. Sans doute est-ce l'atmosphère qui me sied parfaitement, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il que j'aimerais élire résidence dans le coin. Ce serait mon petit paradis. Cependant, je n'ai pas la moindre idée de comment m'y prendre. C'est pour cela que nous sommes là. Quand tu nous auras exposé ce que tu attends de nous, Fiona s'occupera du reste. Ah, la brise est délicieuse. Ici, un bel endroit pour parler affaires. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous exposer ce que j'ai en tête. Je t'en prie, dis-nous tout. Tu as déjà pensé à ta vie dans ta future villa? Je ne pense qu'à ça. Tout d'abord, sachez qu'il y a certaines choses dont tu ne peux pas me passer. Comment vous expliquer? Selon moi, la villa idéale ressemblerait à ça. Donc, elle veut une bibliothèque, une pile de livres. Et un rocking chair. La tanière de lecture. Ok, c'est un thème merveilleux. Je compte sur toi pour réaliser le rêve de notre cliente, Fiona. Reste la question de l'emplacement. À vrai dire, j'ai repéré une petite île non loin d'ici qui conviendrait à merveille. Elle ressemble à... Ah oui, je vois de laquelle il s'agit. Eh bien, la prochaine étape consiste à se rendre sur place. Gratien va vous y amener en bateau. Une fois sur place, tu pourras commencer à donner vie à cette villa de rêve. Alors là, nous sommes sur la petite île avec la maison pour Héloïse. Et nous y voilà, encore un petit effort. Alors voilà ma maison de vacances. Oh, entrons vite, je meurs d'impatience de tout découvrir. On est là pour ça après tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Je te jure que je n'ai rien commandé. Pas encore en tout cas. Ah mais oui, ce sont les meubles que tu as demandé tout à l'heure. Alors ça, quelle efficacité. Je viens de passer commande et tout est déjà là? Il reste encore quelques détails à finaliser. Je vais te demander de patienter encore quelques instants. Ok, la nouvelle. C'est l'heure du spectacle. Le grand, le vrai, le monde a les yeux rivés sur toi. Évidemment, la commande de la cliente est arrivée avant qu'on commence, comme toujours. Appuie sur A pour sortir les objets de leur carton. Ensuite, le boulot consiste à tout placer joliment. Mais avant de commencer, je vais te faire le topo des débutants en décoration de maison de vacances. Commence par passer en mode décoration. Donc ça, on connaît. Consulte les meubles disponibles en appuyant OK sur le bouton à droite et sélectionne-en en fonction de la commande. Ensuite, à toi de jouer pour la déco et informe la cliente quand tu as fini. C'est aussi simple que cela. Je n'oublie rien. Non, je crois que c'est tout. OK, Héloïse, tout est prêt. Il est temps de s'y mettre. Formidable. Merci beaucoup. Je suis impatiente de voir le résultat final, Fiona.
Je reste dans le coin, alors demande-moi si tu as le moindre souci. Allez, montre ce que tu sais faire. Ok, donc là on va se mettre en déco. Ok, on a terminé. Alors, tout se passe bien? Est-ce que tu as déjà terminé ma maison de vacances? Tout est prêt. Tu as tout fini? Merci. Alors du coup, je vous ai laissé toute la construction en accéléré, toute l'agencement en accéléré. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. Parce que sinon c'est trop long si je vous explique tout ce que je fais. Mais là du coup on la voit découvrir toute la pièce. On la voit interagir aussi du coup. Ça c'est vraiment bien quoi. Le rocking chair j'aurais peut-être dû le mettre plus sur le côté. Parce que là il est dans le même sens que la chaise. C'est un peu dommage. Oh, c'est exactement comme je l'imaginais. À vrai dire, non, c'est encore mieux. Te confier cette tâche a été une merveilleuse idée. Merci infiniment, Fiona. C'est génial. Eh bien, dis donc, ta première mission est un vrai succès. J'ai hâte de dire à Lou tout le bien que j'en pense. C'est trop marrant en bas, on a un petit Gratien sur le bateau. Te revoilà. Alors, comment ça s'est passé? Avec notre première cliente. Dis-moi tout, Fiona. Au poil! Vraiment, c'est formidable! Le client était enchanté. Je suis épatée par le professionnalisme dont Fiona a fait preuve. C'est formidable. Plus nos clients seront satisfaits, plus nos affaires se développeront. Je nous prédis un bel avenir. Je suis si heureuse que tu aies rejoint notre équipe. Et merci pour ton aide, Gratien. Avec toi, notre nouvelle recrue est entre bonnes mains. Je n'ai fait que mon travail, mais c'est gentil de ta part de dire ça. Bon, je retourne à mon ponton. Vivement le prochain client. J'espère que tu es prête à remettre ça à Fiona. Oh, une dernière chose. Tiens, voilà pour toi. Tu ne pensais tout de même pas avoir travaillé gratuitement. C'est 6000 poki. Sont ton salaire. Des poki? Oh mince, encore un détail que j'aurais dû mentionner. Dans les îles de cette région, la monnaie utilisée est le poki et non la clochette. Tu ne pourras pas dépenser de poki à Wanokuma ni de clochette ici. Mais ça ne devrait pas être un problème. Nous avons nos propres marchandises ici. Donc j'en ai 6000. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec 6000 du coup? Quoi qu'il en soit, merci encore pour ton travail. Reviens nous voir quand tu voudras t'occuper d'un autre client. Alors, par exemple, ça. Je suis intéressée. Ah oui, ils appellent ça un chefflera. Oh, il est pas cher. J'achète. Il est pas très sociable lui pour l'instant. C'est une boîte de chocolat souvenir. Ils sont fondants et délicieux. C'est un beau cadeau. Une boîte de chocolat souvenir coûte 800 poki, mais c'est une, mais il y a une réduction si tu en achètes en lot. Mais je vais en prendre 3 du coup.
Ça, je vais l'acheter. Mais j'ai pas assez. Dommage. Tant pis. Bon, ben, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, cette première maison, là, ce premier aménagement. Honnêtement, on est plutôt bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que sinon, ça va faire trop. C'est déjà bien. C'est une première découverte. On va peut-être juste faire le tour pour découvrir un peu tout ça. Est-ce que je peux utiliser mes outils? Non, je peux pas utiliser mes outils. Donc, je peux pas récupérer ces petites fleurs là. Et ça, je peux récupérer par contre. Oula, moi, je vais récupérer tout ça, hein. Je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert. Mais on va récupérer. On fait une petite visite du coup de toute l'île là. On voit. Ça, j'ai tellement hâte d'en avoir ça. Oh, le beau panorama! Oh là là, comment c'est beau! Ah, c'est trop cool! Et ça ne bouge pas du coup. C'est vraiment placé ici et. Ok, donc ça c'est placé ici. J'espère qu'on va en avoir sur notre île du coup de ça. Qu'il y a pas mal de trucs comme ça qu'on va pouvoir avoir. On a vu également dans le trailer que les gens qui étaient ici pouvaient se mettre sur les bouées sur l'eau. Alors est-ce que nous on va pouvoir le faire? Ça c'est une bonne question. Donc ça c'est quoi? La porte est verrouillée. Ah ça c'est les futurs petits trucs qu'on va pouvoir faire. Là ici, on peut passer sous le pont. Enfin sous le pont, sous l'arche, sous le préau. Et là, si je me mets sur celui-là, est-ce que j'ai une vue spéciale? Non, pas pour l'instant. Donc là, on en a trois ici qui attendent. Mais j'ai pas spécialement envie qu'ils viennent sur mon île, ceux-là. Enfin, en tout cas, sur ces îles ici. J'ai envie de choisir quand même. Bon bah du coup on en a terminé du coup pour cette vidéo découverte du coup du DLC. Donc pour l'instant on fait vraiment tout ce qu'il y a à faire uniquement au début du DLC. On a juste fait une maison pour découvrir comment cela fonctionnait. Donc je pense que je vais faire d'autres vidéos sur l'avancement. Je pense que je vais essayer de jouer exclusivement en vidéo pour du coup à la fois vous faire du contenu. Et comme ça vous ne ratez rien sur l'avancement de mon île et du coup de la partie DLC sur mon île. Et si jamais je joue en dehors, j'essaierai de vous faire des petits récaps à chaque début de vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!